Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de Let's Play sur un nouveau jeu, Itel You. Donc c'est un jeu indépendant que j'ai découvert tout à l'heure sur Steam. Alors je sais absolument pas de quoi ça parle, j'ai regardé vite fait sur le site officiel du jeu. Apparemment c'est cette petite gamine qui est à la recherche de trésors avec son petit compagnon là, qui donne des indices, etc. Donc, si j'ai bien compris, c'est un mélange un petit peu de RPG, d'énigmes, de combat. Enfin bon, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout si on fera le jeu complet. Là, pour le moment, on va faire quelques épisodes pour découvrir le jeu. Alors, vous pouvez le trouver soit sur Steam au prix de 9,99 €, soit sur le site officiel. Donc, je vous mettrai toutes les adresses en commentaire. Bon, moi, ce qui m'a fait flasher, c'est les graphismes. J'ai beaucoup aimé ce style dessin, jeu un petit peu RPG à l'ancienne, au premier FF, Secret of Mana, des trucs comme ça. Mais style bande dessinée, avec des contours noirs, vraiment, j'ai adoré. Donc, on va voir ce que ça donne. Quand vous lancez le jeu au départ, vous avez une fenêtre qui s'affiche avec deux onglets. Donc, le premier, vous pouvez choisir la résolution. Si vous le fenez, si vous voulez en fenêtrer ou pas, et le deuxième onglet sur lequel vous avez toutes les touches. Donc je me les suis notées sur un petit carnet au cas où à côté parce que je pense qu'ils vont pas me les rappeler. Et donc voilà, après nous arrivons sur cette cinématique et nous allons découvrir le jeu ensemble. Je l'ai lancé juste 5 minutes tout à l'heure pour vérifier si les touches c'était bien sur un AZERTY. Donc c'est bien le cas. Apparemment, du moins, vu qu'on n'a qu'une seule attaque au départ. Voilà, donc après, par contre, ça joue contre lui. Je sais pas pourquoi il mettait ça, mais bon, c'est pas grave. Option. Ok. Allez, c'est parti. Start. Hop. On commence. On lance le jeu et on va voir ce que ça donne. Hello. Waouh. Nous arrivons sur une île qui est remplie d'aventures. Allez, hop. Alors, démarrer. Bon, avant les marées, on va aller voir dans la cave, la grotte. Ok, donc on a des astuces ici, ok, et on l'appelle avec T quand on a besoin d'indices. Donc voilà, il demande pourquoi on a besoin si vite de son aide. Donc il nous demande juste d'aller voir dans la grotte et de bien faire attention à lire toutes les pancartes. Comment on enlève ça? T. Ok. Allez. Alors ça joue sans souris, donc on avance avec les flèches. Tac, on va lire. Allez, hop. Ok, donc on a un switch ici. Ok, donc les petites dalles comme ça permettent d'ouvrir les portes. Je suppose que c'est ça les énigmes. Non. D'accord, donc si on marche sur certains blocs, on peut les pousser. Donc là, il y a. Ok, donc il faut allumer les bouts de bois avec notre petit bout de bois en feu. Alors, ça c'est l'attaque, je crois. Voilà, Z. Hop. Donc Z pour utiliser le bout de bois. Alors. Non, je me suis arrêtée ici, moi, en fait. J'avais déjà essayé vite fait quelques trucs. Donc, nous ne laisserons passer personne. N'essaie pas de réveiller ces cristaux magiques. Hop, allez, go. Il faut résoudre le puzzle. Alors, Smackstones. Ok. Donc, si on les tape, on a des indices. Là. Hop. Ok. Et toi, là. Il a mouru. Ah, ok. En fait, il fallait le tuer pour pouvoir ouvrir. Bon. Ok. Au moins, on a fait le premier truc. Alors. Ok, il faut presser les deux switches en même temps. Donc, tac, tac. Voilà. Ouais. Oh,
C'était tout. Il y avait un bloc en haut, je sais pas à quoi il servait. Là, il n'y a rien de spécial. Et donc maintenant nous sommes sortis. Ok, donc on va suivre le chemin. Au nord, le château. Il est plein de fishbones. Et à l'est. Ah, de toute façon, on n'a pas le choix, on peut pas y aller. Donc on est obligé d'aller au nord. Alors, allons donc au nord. On trouve toujours pas le choix. C'est quoi ça? Bon, on peut pas le casser. Voilà, nous avons une petite maison. Petite maison. Oh, un aventurier, je suis Ethan Carver. Et ceci est ma boutique. Alors, Carver. Waouh, c'est lui qui a chopé tous les objets qui sont ici. Notamment le machin, Swordfish, le poisson qui est en haut. bref, surtout ça, non, de quoi as-tu besoin? Bref, bon, tu veux un truc, Raph, c'est quoi déjà? Tu es le plus aventurier que j'ai rencontré ici. Un vieux Raph. Donc lui, il nous donne le fameux raft. Donc, par contre, il veut quelque chose appelé l'artefact, qui vient du château au nord. Il a beaucoup d'argent au château. Donc, on en prend et on achète quelque chose. Ok. Donc, en fait, il faut choisir. Ah oui, d'accord. Ou alors, j'ai lu en fait que sur leur site qu'il n'y avait que ces trois armes et il fallait les combiner. Et en les combinant, on a plusieurs possibilités de skill ou autre. Je sais pas trop après. Oh merde, j'ai pas lu le panneau. Je sais pas trop ce que ça va donner en les combinant. Le château. On s'en serait pas douté que c'était un château, mais c'est pas grave. On va peut-être faire ça au cas où. Hop. C'est quoi ça? C'est rien. Ok. On est obligé d'aller tout droit. Oh. Ok. Donc ça, c'est la gardienne derrière les pics qu'il y a au sol. Donc, je suis donc chanceuse parce que elle ne garde pas au-delà des pics. Elle sert un petit peu à rien donc. Hop, donc si on s'avance, elle ira nous faire reculer avec sa lance. Bon, ok. Et ces trucs verts, c'est quoi? Oups. Peut-être qu'il faut peut-être pas que j'aille sur le truc vert en fait. Ah, alors attendez, parce que là en fait il doit y avoir un. Il n'y avait pas un panneau là? Non. Ah si. Attends, peut-être les animer ces trucs. Non? Non. Donc si on va là-dessus, ça marche pas. Ok. Donc on arrive au premier truc et je suis déjà perdue. En fait, il y avait une porte juste là que je n'avais pas vue. Alors. Shop items. Donc on peut pas le faire tant qu'on n'est pas allé. Là-bas, d'accord, merveilleux. Si je vais là, je suppose que non, même pas, ça marche pas. Ok. Ok, aïe, aïe, aïe. Ah, je pensais qu'il fallait, je sais pas, moi, les allumer. Alors là, t'es. Ben non, on peut pas prendre ces objets, on n'a pas un sou. Ouais, donc c'est bien joli d'explorer le château, mais. Ok. Ah, il y avait une porte à droite, je l'ai pas vu. Une porte à gauche et une porte à droite. Hop. Ah ouais, ok, alors là, d'accord, je suis Miro, je n'ai rien dit. Hop. Ah non, plus de ça. Non. Ça one-shot même pas. Hop là. Ok.
Donc là, on les a fait exploser. Ensuite, on peut aller soit ici, soit... ok, s'il revient. Ça fait quoi? D'accord, sauf qu'on peut pas passer. Hop. Je sais pas si ça fait quelque chose de les tuer. Ça rapporte rien. Bon. Je sais pas. Ah, non, s'il faut les allumer. Fire from the West. Ok. Alors, toi, on va te mettre ici. Toi, ici. Ta, tac. Ouest, c'est là. Donc, voilà, c'est bien ce que je pensais. On a bien le feu ici. Hop, hop, hop. Ok. Alors, ensuite. Non, on ne peut pas. Ok. On va faire ça au cas où. D'accord. Bon, cette porte est ouverte de l'autre côté. Ok. Hop, on va les tuer, hein. Oh oui, aïe, aïe. Oh là là, j'ai presque plus de vie en fait. Je fais le boulet. Je fais le boulet. J'ai pas trop de notion la distance à laquelle on perd des points de vie ou pas. Faut que je fasse gaffe moi du coup, porte ouverte parce que je les vois pas. Alors, bombe, enter. D'accord, donc il faut les mettre le feu, ça on avait bien compris. Ok, donc en fait les torches et les bombes vives pour être mises à feu. Donc je suppose que pour mettre là et que lui il doit aller par là, j'imagine. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Donc on va essayer ça. Donc tac tac tac, il y a pas, on peut pas courir plus vite, non? Ok, le feu ici est revenu. Hop. Aïe! Putain de merde. Ah! Oh mais non! Oh mais non! Ok, c'était pas par là. Oh, c'était peut-être par là. Oh! Il y a un coffre là. Youhou! Plein de sous. Plein de sous. Ok. Je suppose qu'il y en a 200, ouais, pour acheter le premier truc. Ok, donc là, il faut aller dépenser l'argent. Oh, ils ont pris notre argent. Bon, ok. Alors. Ok. Alors, garden. Je suppose qu'ici, c'est... Ah oui, d'accord. Oui, j'ai eu plus d'argent. Donc en fait, on n'a pas le choix, il faut acheter l'épée. Comment on achète l'épée? Accepte, Z. Hop, première épée. Youhou, j'ai eu une épée, je suis la plus... Ouh. Ok, j'ai été éjecté carrément du truc, quoi. Et je vais tomber dans un volcan. Oh, bah merveilleux. De mieux en mieux, dis donc. Tac, je sais pas s'il y a du son, en fait. J'entends rien, bon, en fait. Non? Oui, je m'en rends compte maintenant. Je sais pas s'il y a le son. Là. Maintenant, on a le son. Alors. Professionnel shortcut. Ok. Alors, on a un truc ici. Et du coup, ouais, j'ai pas mon épée, moi. Pas de feu là. Mais c'est ça, il y a une ouverture ici. Et par contre, j'ai presque plus de points de vie, moi. Comment on récupère la vie? Get certain rest. Oui. Il faut pas le taper, lui, je pense. Alors, ça, non, ok. Peut-être que si on le met sur les pics. Ah ouais, mais non. Si je fais ça, je vais être bloqué. Bizarre, bizarre! Oui, là on est bloqué, moi je suis con. Là on peut pas les passer. Là il nous faut du feu. Je suis en bas. Ah, mais il y a une flèche en ce moment.
Ok. Alors, Firestorm. Je pense que c'est comme autant de bâtons, mais il est en feu en permanence. Allumer les bombes et les torches et tout le reste. Tout autre genre de truc. Ok. Donc c'est toujours ça. Ok. On va faire ça. Là. D'accord. Et par là. Ça. On va se pousser parce que je sais pas si ça va mettre la tête ou pas. Oh, les cœurs. Oh, elle bouffe les cœurs. Ah. L'autre qui lui demande où il a eu ça et l'autre elle lui dit sur le sol. D'accord, ne mange pas ça, ce qui vient sur le sol. Oh là là. Ok, bon. Ah. Ok. Une bombe qui n'est pas en feu est une pauvre bombe. Ok. Encore des cœurs. Ça sert à rien de les prendre en fait. Ouais. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ah oui, bon, c'est pas bon. Ah non, c'est lui qui est dans. Aïe! Alors. Attends. Laisse-moi réfléchir, s'il te plaît. Merci. Bloc. Comment? Hop, ça c'est fait. J'aimerais juste avoir un cœur, si possible. Non, c'est pas possible. Ok. Non, c'est pas bon. Je les ai bouffés comme un boulet. Alors, suivant. Tac, tac. Oh putain. Ça me rappelle un vieux jeu là de justement de blocs. Non, non, non. Oh putain. Ah non, si, c'est ça, oui, ça fait réaction en chaîne. Un vieux jeu où on poussait des blocs comme ça. Ouais, mais là, on peut pas. Ça va faire péter le truc là. Ouais, donc je vais y arriver. Un vieux jeu sur PC. Et il y avait un petit bonhomme qui poussait des blocs comme ça. Il y en a eu plein de jeux dans le genre après, mais celui-là il m'avait marqué. C'était un des premiers jeux. Ouais, il y a rien ici. Des cœurs, ouais. Et les... Ok, bah il y a rien. Peut-être pas là. Oh putain. Ok, mais je fais comment maintenant? Plus repasser là. Ok. Là. Voilà la carte. C'est fermé. Ici. Ici c'est bien joli, mais du coup moi je suis complètement bloqué. Tu peux rester bloqué dans le jeu? Sérieux? Oh putain. Mais est-ce que... Bon, ok. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire, on va arrêter cet épisode ici. Je vais voir si je peux me débloquer et on reprendra un nouvel épisode juste après ça. Bon, mais pourquoi pas, il a l'air rigolo ce jeu. Alors, je vous dis à la prochaine. Si ça vous a plu, likez. Si vous voulez que je continue, dites-le. N'hésitez pas à commenter. On verra bien ce que ça donne. Donc, je vous dis bah, à la prochaine pour l'épisode 2. Bye bye!